Hier, j'ai reproduit l'assiette la plus mignonne du monde. C'est une reproduction d'une assiette vintage qui date des années 80. Et c'est tout simplement un ourson dans un lit. J'ai modelé l'assiette avec de l'argile et si vous voulez voir comment j'ai fait, tout est dans la partie 1. Et aujourd'hui, c'était l'étape de la décoration, donc j'ai coloré mon assiette. J'ai vraiment hésité avec un bleu clair, mais finalement, j'ai opté pour du rose. La peinture que j'utilise, c'est de Langob. C'est une peinture spéciale pour la céramique, mais comme vous voyez, j'ai dû sécher un peu ma terre parce que ça adhérait pas bien. Et j'ai dû aussi passer plusieurs couches. J'ai même essayé de tapoter un peu avec une éponge pour voir le rendu, mais finalement j'étais pas fan. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je laisse sécher encore un peu. Du coup, j'ai commencé à peindre l'ourson. J'ai fait un marron sur mesure en mélangeant des couleurs et ensuite je suis venue peindre mon oreiller. En attendant, mon assiette a eu le temps de sécher un petit peu. Du coup, je suis venue passer une troisième couche et je suis venue peaufiner tous les petits détails. Et dernière étape, c'est les détails sur la tête de l'ourson. Donc maintenant, le décor de mon assiette est terminé. Je trouve ça vraiment trop beau. La prochaine étape, c'est la cuisson, ensuite l'émaillage et après, je pourrais